Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode donc de Dredge. Ce super jeu. Alors, on avait repéré. Oh, il y a des orques. Les orques du Mordor. Alors, on avait fait des tas de choses. Oh, la musique est un peu forte, hein, je trouve. Hein, mais bon, voilà. On lui laisse nous donner un peu d'ambiance. On avait repéré alors plusieurs choses, dont un poisson que visiblement on doit ramener à un genre de type. Un type un peu chelou. Tac. Hop là. Et on a plus de place. Donc on fait déjà demi-tour. Ah, alors, on n'a plus de place, mais est-ce qu'on peut tenter l'escroquerie de récupérer et le mettre au filet? Non, on peut pas. Oui, j'avais déjà essayé, je crois, l'escroquerie. Il y a certains cas de figure où on peut tenter cette escroquerie, mais d'autres où on peut pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon filet? C'est très important. Marché aux poissons. Donc ça peut se vendre. Bon tout. Hop. Fait 150 billets. Ça tombe bien, on en a besoin. Allez. Oula. Ça riage. Raté. Il est trop vite. Oh, il est dégueulasse. Un cernier osseux. Ah, il est frais, hein. Stay frais, hein. Piégé dans des protubérances osseuses, il peine à agiter ses ailerons et ses branchies sont presque obstruées. Il est dégueulasse. Boum. Zone épuisée, on est plein de poissons. Il est déjà 17h, il commence déjà à faire nuit. Les journées sont extrêmement courtes. Marche au poisson. On vend tout. 260 balles, ma bonne dame. Eh ben, on va essayer de forcer un peu sur la nuit, puisque techniquement, il y a certains poissons qu'on doit trouver dans certaines roches. Un Saint-Pierre. Oh, un Saint-Pierre décor. Ah, ça a l'air d'être le poisson de nuit. Let's go, on prend. C'est quoi qu'elle voulait la dame? C'était un congre aussi, je crois. Ah, il y en a encore. Hop là. Du saumon, on prend les saumons. Hop là. Je pète les saumons. Comment je vais pouvoir le ranger celui-là? Je vais pas pouvoir le ranger. Au poisson. S'il est pourri, je ne pourrais pas te l'acheter. Ah oui, je n'achète pas les poissons pourris. Oui, c'est formidable. Hein. On est très d'accord. Il y a toujours mon petit spot de pêche. Ah, qu'est-ce que j'ai ramassé? Qu'est-ce que j'ai ramassé? Pas ce que je cherche. Oui, il y a des rochers qui traînent. C'est des choses qui arrivent. Là. Là, du poisson. Ils sont.
Tac. Spot de pêche épuisé. Il y a un truc ici. Un vieil homme émerge dans des bâtiments en ruine et clopine dans votre direction. Ah. Hey, bienvenue, les visiteurs sont rares par ici, qu'est-ce qu'il vous faut? Cet endroit n'a pas l'air très sûr, pourquoi vous vivez ici? Ah oui, je m'obstine à rester ici depuis un moment, mais pour être honnête, je commence à avoir des doutes ces derniers temps. J'ai longtemps été heureux ici, ma femme et moi, on a eu une vie merveilleuse jusqu'à que tout s'effondre. Maintenant, je suis seul, isolé par la terre et la mer, entouré de rochers branlants de tous côtés. Je pourrais vous aider à vous installer à Morne-Fanon. Ah, oh. Oh, ce n'est pas si simple, mon frère n'accepterait jamais. Vous voyez, avant, je vivais avec lui à Morne-Fanon. Il était baleinier. Oh, il va me nous casser les couilles. Ça se passait mal. On se disputait souvent. Surtout à propos de l'héritage de nos parents. On était jeunes et stupides quand on a décidé de s'installer ici, ma femme et moi. J'ai pris le blason de la famille et je le lui ai volé. Et après tout ce temps, je ne peux pas revenir sans lui. Où est-il? C'est bien là qu'est le problème. Après l'éboulement, cette créature a traîné des débris de maison dans ses maudits tunnels. Le blason a été emporté avec. C'est une cause perdue, je sais. Mais si vous tombez dessus, t'as un grand blason en os de baleine. Ce serait très important pour moi. Je vais le chercher. Merci, mais je vous en prie, soyez prudent. Voyageur de l'extrême. On a rien à faire ici. On pourrait se faire un ZZ, mais on va se faire une aventure de l'extrême. Ce caillou n'est pas palpable. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah mais il m'a détruit en plus! Il y a vraiment un truc qui traîne là-dedans ou... Je cherche un poisson de nuit là. On sent qu'on a déjà le poisson pierre nul. Ah, fallait que j'attende le légendaire. Ah, c'est bizarre ça par contre. Un tasard écorché. Ah oui, mais j'ai plus la place pour ça. J'ai pas du tout la place pour, malheureusement. Bon bah, désolé, abandonné. Il y a un truc derrière moi là? Tu viens me dire? Oh. Il se passe des dingueries. Alors, commençons par réparer le bateau. On a pris un peu cher. Mais c'est pas grave, on va aller vendre. On va aller prendre notre prise. Ben voilà, 150 billets. Refait. On va retourner là-dedans. Quoi? Il y a un truc un peu gros qui traîne dans l'eau hein, quand même. Hein.
Je sais pas si les gens sont courants qu'il y a un énorme truc qui traîne dans l'eau. Pour pêcher que 3 par 3 quoi. $77. Bon après c'est juste à côté hein. En vrai il y a juste à se pencher pour les ramasser. Est-ce que c'est ce que je cherche? Ah non. Ce n'est plus tout ce que je cherche. Ouais je crois qu'il y a un truc qui m'a vu hein. On se tire de là hein. Un peu gros ton poisson hein. Il a bien mangé, hein. Il a mangé toute sa famille, même, hein. Alors, attends, bon, je vends quoi que ce soit. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, ça, tu peux le vendre. Je peux me poser ça, là? Ah, oui, il faut d'abord que je... oui, il faut d'abord que je répare le véhicule. C'est réparé. Le dock flottant. Agrandis-moi la taille de ma coque. Voilà. On n'a plus qu'à y trouver une planche, ça se trouve. Hein. On va la trouver la planche. Hein. Ah oui, il n'y a plus de droit. Merci. Oui, vous là. Le vieux retraité. Non. Bon, qu'est-ce que je fais ici, moi? Eh, par contre, mon filet, s'il vous plaît, il va bien rester. Voilà. Allô, merci. Ok. On a un peu plus de place quand même, hein. C'est appréciable. Hein. Des rochers qui apparaissent n'importe comment, c'est pas mal. Je crois qu'il y a un truc qui a essayé de se glisser à bord. Bon, ben voilà. Un truc dégueulasse? Non, c'est un truc normal en plus. Cabine du capitaine. Ah, c'est vrai qu'on avait trouvé un message. On en a même trouvé plusieurs, visiblement. Alors, c'était quoi, ça? Profondeur, ciel, profondeur, ciel, profondeur, à jamais. Saut du coffre brisé, cœur du brouillard, 5 égale émergence, il sait. Pour l'instant, ça me paraît parfaitement obscur. Manifeste des artefacts. Navire, yacht à voile Grand Prix, propriétaire, monsieur Michael Schulte. Port, falaise de Soufflevent. Boîte à musique en chaîne, achetée chez l'antiquaire de la Petite Moelle à un tarif dérisoire, récupérée dans une épave inconnue. Porte la lettre J sur le dessous, bon état, n'a pas été ouverte par crainte d'abîmer le mécanisme, examen du serrurier prévu. Masque en bois, masque tribal en bois sculpté, censé attirer la chance, la fertilité, la santé, le bonheur, la pluie et la protection contre les esprits malins, échangé contre une paire de chaussettes et une montre à gousset.
Service à tes 12 pièces, porcelaine anglaise, citas et 6 soucoupes. Acheter à un marchand oriental, ne pas utiliser. Jarre de terre, jarre contenant de la terre provenant du site d'impact d'une météorite, soi-disant. D'accord. C'est... pêcher un tasard tigre. Ah oui, je pêche un tasard tigre. Oui, et des quêtes partout. Oui, une encyclopédie blindée. Oui, oui, je... trouver le blason. Ouais, ouais, j'ai compris. Trouver le blason, ça se fait trouver le blason sur la carte? On nous dit, genre c'est là. Ah, on me dit quand même que c'est quand même vachement par là. Le truc, c'est aussi le repère visiblement d'un gros poisson qui a bien mangé. Ce qui est un problème. Et le truc, c'est que remonter ce poisson... ouais, mais non. Faut que je sorte d'ici, parce qu'en fait... Lumière, s'il vous plaît. Il faut absolument que j'aille là-dedans. Le problème, c'est que c'est un coup à croiser le gros dont c'est la propriété privée. Donc, lui qui est là, là, qui est en train de massacrer mon bateau, en fait. Peut-être il me laissera pêcher tranquille, hein, par contre. Peut-être il est gros et mal poli, mais en vrai, une fois qu'on lui montre que nous, on est là pour pêcher, peut-être il est tranquille, hein. Bon, en tout cas, il me laisse pêcher tranquille, hein. Il y en a qui disent de lui qu'il est pas très sympa, mais moi, je pense qu'en vrai, les gens sont un peu médisants à son égard. Je pense qu'il y a un peu de méchanceté gratuite. Ah, finalement, ça s'est très très bien passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bijou. Du pognon. Des poissons, j'ai pas la place. J'ai pêché un tigre là-dedans. Non. On a que des niveaux là. Il me reste une place, il me reste une place. Juste pour voir ce que c'est ça. Eh ben c'est un tigre. Hop, c'est un tigre. On a donc des tigres. Je vais donc aller poser les tigrous là. Je vais tout vendre d'abord. Hop. Ma réserve. On va mettre ça en bas. C'est du petit. Ok. Chantier naval. Je viens me réparer. Aïe aïe aïe, ça m'a coûté un peu cher. La rencontre avec l'autre m'a coûté un petit peu cher, mais bon. Allons-y. Hop. Pêchons du tigre. Ah, je suis nul. Que je peux les vendre à l'unité. Vendre. F. Non. Je vais juste en vendre un. Voilà. Voilà. Ils ont dit deux. Je vais donc ramener le dernier au type chelou. Et le type chelou, il était dans ces îles-là, je crois. Droit, bah droit devant, je crois. Allez. On y va. Il est un peu tard, mais ça passe. En vrai, ça passe là. Saint-Pierre Furteur. Des formes tournoient dans ses yeux vitreux exorbités, aveuglés par la lumière de la surface. Il est cependant adapté aux fouilles en profondeur.
Oh, ce que je viens de prendre dans la face. Ah, il était là, l'autre taré. Encore, toujours vide. Elle indique une autre forme sur son papelard. Oui, tiens. Quoi? C'est un Tazartigre que tu veux? Tazartigre. Tazartigre. Une fois encore, elle déchire la chair du poisson et extirpe son cœur. Elle dévore aussi, le dévore aussi vite que le premier. Satisfaction. Presque atteinte. La silhouette pointe du doigt un poisson sur le dernier parchemin. C'est un escolier serpent. Ok, moi j'ai pas. J'ai pas mon bon, mon monsieur dame. Et en plus, on n'est pas. On n'est pas yimbe. On n'est pas fou. Est-ce que l'on. Oui, oui, question d'escalier serpent. Encyclopédie, des saloperies, ça marche. Est-ce qu'il serait pas grand temps de rentrer maison? Ça pose des problèmes. Ce que je fais. Je crois que je peux plus rien pêcher en plus. Tous les HS, tout est flingué. Ok, on commence à être apsicoté et avoir des rochers, c'est ça, voilà. On commence à avoir des rochers là où il n'y en a pas. Ça va bien se passer. On peut toujours pêcher tranquille, donc ça va. Tant qu'on peut pas se faire agresser pendant qu'on pêche, en vrai, qu'est-ce qu'on peut craindre? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Ah. Je pêche, mais je sais pas ce que je pêche. Très drôle. Attends, je vais vraiment pêcher un truc. Très drôle. Ouais, je peux pêcher, genre je peux tenter de faire des F. Ah, je peux rien faire. Bon, juste, je peux juste pêcher. L'art du baratin terminé. Formidable. Passer notre nuit à monter deux poissons tranquille. Parce qu'il s'est. Je vois pas ce qui se passe de mal quoi. Paf. Paf. Une tout paf. Voilà. Ma réserve. Dans ma réserve, il y a des choses que j'aurais aimé récupérer. Chose que j'aurais aimé poser aussi. Voilà. Le négociant de la petite moelle. Bienvenue. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose de spécial? Bon voilà. Hop. Ah ouais. En fait, c'est ultra chaud de pêcher parce qu'en fait, on voit pas ce qu'on pêche. Donc, ça nous mange un temps fou. Pêcher 250 poissons à l'aide de canne à pêche, succès déverrouillé. J'ai enfin coupé le son des. Ouh! Des notifs. Trop bien. J'ai pas de place pour trancher. Donc non, je vais te laisser. Je vais te laisser à la mer. Oh! Ça remplit du filet. Hein. On a pris un peu cher, charpentière, est-ce que tu veux bien réparer? 103 bouliches. Ouh. Heureusement qu'on va faire un... Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? 331, ouais, on a fait un peu de pognon, ça c'est cool. Ok. Nous, potentiellement, on repart direct. Alors, je dis bien potentiellement parce qu'en vrai, petite pêche facile gratos là. C'est quand même dur de résister... à des produits gratuits, faciles et pas chers. 1100, ouais, on commence à être pas mal. Ce serait quand même bien qu'on soit à nouveau vers 1500$ parce qu'on les a claqués la dernière fois ultra vite d'un coup. D'ailleurs, j'aurais pu aller poser. De toute façon, on va faire ça. On va revenir sur ce port-là très probablement. Pour poser... Ah oui, cette fois-ci, d'ailleurs, on pourrait peut-être même se mettre à pêcher du requin. Oula. Cardo perforé.
Créature à la grande peau perforée de nombreux trous, une seule masse informe est dissimulée en dessous. Oh, voilà. Ça c'est du beau polo. Ça, polo, c'est du beau. Je crois que j'ai la place pour un petit poisson. Ah, mais c'est pas beau. Ah, j'ai la part. Ok, c'est parce qu'on bascule en nuit. Ok. Il y a un poisson dans la boîte en plus. Allez, tiens, poissonnier, régale-toi. Allez, 200 boules. Charpentière, répare mon filet. Excellent. La cale sèche. On avait commencé à améliorer un truc, je crois. Non. Non, on n'a rien commencé à améliorer. De ma réserve, s'il vous plaît. 4 espaces de stockage supplémentaires, je prends. On va pas ZZ, hein, on va... attends. Dans ma réserve, là. Oui, je vais vendre tous les autres trucs. Hein. J'ai peur, j'étais en train de me dire, mince, j'ai oublié de... J'ai oublié de lui vendre des trucs et des machins. Non, non, on est bon. Je vois devant nous des poissons des plus étranges. On va laisser les récupérer, bien entendu. Hop. Hop. Y'a plus rien. Hop, hop, hop. C'est bon, j'ai récupéré le dégueulasse. Ok. Là, il y a des choses. Est-ce qu'on peut se gagner de la place ? Non, on peut pas. Bien dommage. Hop, ça coule. Fait des petites surprises lui. Par contre, c'est aussi des belles surprises. Ça je prends. Hop. Ouais, comme ça si tu veux. Boum. Ah, ça a disparu. Je vois qu'il y a un chelou par là. Il va y avoir des choses à draguer là-bas, non? Non, c'est des poissons. Ok. Hop, hop, hop. Je suis allé un peu trop fort comme d'hab. On se calme, il se passe rien. Quoi? En mode réparation. Ok, ok. Voilà, 189 boules. On est rentable quand même, même si je passe mon temps à péter mon bateau. On est combien là? Thune, 1600, on est très bien. On retourne à l'aventure compagnon. Allez, let's go. Il est 9h50, on est large, on est bien. T'as pêché toi. Dommage. Lui sur son île, je suis pas sûr qu'il ait besoin de retourner le voir.
seule chose qui pourrait être intéressante, c'est s'il y a des morceaux d'épave à nouveau qui traînent. En vrai, c'est à peu près tout. Bah, effectivement, je vais passer à côté de l'épave. C'est quoi ça déjà? Oh, ce petit poisson mignon, on s'en fout. On s'en fout, maintenant on est devenu un pêcheur d'élite. Hein. Maintenant on se la pète. Hein. Y a rien à draguer par là. C'est du poisson. Y a du poisson, on s'en fout. Allez, on se casse. Y a un coup de foudre, j'ai ramassé des trucs. Y a d'autres rochers là-bas, mais pareil, hein, ça sent les mecs chelous là-bas. Bref. On va déjà rester dans cette zone. Je vois un bout de qui là-bas qui doit dépasser, du côté de la bouée. Pas trop ce que c'est, mais... Et leur congre de nuit, je sais pas quand est-ce que je vais le pêcher avec leur espèce de poisson psycho-dangereux. Un saumon putride. Alors fais voir ton saumon putride. Une noirceur étincelante imprègne la chair de ce poisson impitoyable. Ses muscles sont atrophiés et pourris. Mais il nage encore. Et je suis sûr que tu veux du pognon en plus. Bam. Allez, c'est vendu. Attends, c'est vendu. Toi, madame, avec ton dock flottant, pas ton dock flottant, avec ton chantier naval, tu vends des trucs incroyables, oui. Je reprends ça à mon bord, hein. Merci. Hein. Ouais, je sais qu'un jour j'en aurai besoin. Hop, ça part dans ma réserve direct. Ma réserve, je revanche ça par ici. Et ça va même probablement partir à la recherche maintenant. Non, à 18h. Ah, merde, mauvaise idée. Recherche. Est-ce qu'on se fait pas une canne à pêche de dingue un peu? On avait commencé quelque chose ou pas? Non, pas l'impression. Ah si, j'avais commencé les filets. Je m'étais dit un super grand chalut côté au fond. Ça doit être ouf. Allez, on se commence ça. Ouais, vas-y ZZ, j'ai pas envie de... pas envie de passer une nuit de cinglé. Par contre, on y retourne dès 5h. Pas de... Ou pour nous 5h, il fait jour. Hein. Ça suffit. Hein. Il suffit de rien foutre toute la journée. 5h, c'est le matin. Hop, 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 hop. On se fait un peu de thon. Un peu de thon dès le matin. Putain, sérieux, un thon. Un peu de la côte avec le poisson dangereux là qui traîne là. Les trucs un peu partout. C'est des océans. On peut pas pêcher ça. Ah, pourtant ça, il me le faudrait, je crois. Je crois qu'en plus, c'est le truc qu'il me faut. Je crois que c'est le truc qu'il faut. Il va falloir que j'aille le monter. Oui, bah, si on peut se prendre des potios, quoi. Prends pas de place, c'est ptio. Allez. Prends du ptio poisson. Oh, voilà. C'est des ptio poissons, quoi. Ça va vite, y'a pas de blabla. On a déjà fait notre journée sur cette épave. Et remonter de la tôle, ça prend du temps en plus, hein.
contre, ça veut dire que ça va nous permettre de déverrouiller notre petit espace de stockage supplémentaire. Très rapidement, ça. Ça, c'est bien, ça. Okay. On va esquiver un peu le territoire de l'Anguillas, là. Je dis bien un peu, hein. Ah, un petit chelou qui vient de monter à bord. Voilà, ça en est pas mal. Ensuite, on va au dock flottant. Ici, les quatre emplacements. Métal, métal et tissu placé dans le bon sens en plus. Alors, plaisir ou pas? Des espaces de canne à pêche, ça me va, moi. Ça me parle bien. Ah, il manque plus que du bois. J'avais déjà tout chargé dedans, il manque plus que du bois. Ok. Il manquera plus que du bois. Il faut que j'aille à la réserve. Ma réserve. Et dans ma réserve, bon, on va se ranger. Range-moi du matos. Range-moi ça en bas. Ça sera très bien. Donc ça, j'ai pas le choix. C'est rangé comme ça. Chantier noir. Rien que je ne puisse faire, il n'y a rien que je puisse assembler. En fait, il me faut les emplacements supplémentaires pour monter ma pêche océanique. Ah, bah, je prends ça. Je reprends ça à 315. Ah, j'ai pas la thune, merde. Recherche. Voilà. Le filet de pêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter le filet de pêche. Okay, là. Et ça, pour le coup, je vais le vendre. Voilà. Comme ça, je vais dans ma réserve et bon, je voudrais le récupérer vers la cale. Hop, comme ça, je le monte. Il est présent et bah, il n'y a plus qu'à. Si, attends. Est-ce que je peux acheter ton machin du coup? Je peux regarder budgétairement. 315, je les ai pas. Le Vélantre vite fait là. Y a pas des petits poissons gratos là dans le coin là, vite teuf. Oui, 3h du matin, 3h du matin c'est. Voilà, c'est trop tôt. 3h du matin c'est trop tôt. Allez, retour charbon. Vite. On avait vu des poissons qu'on pouvait pêcher qu'avec le. Je crois que c'est cela là. Éviter la petite tornadinette là. Hop là. Voilà, c'est ça que je peux pêcher. Un esturgeon. Et ben voilà. Oh, comme on joue à Tetris. Hop. Bon, bah, y a déjà plus d'esturgeon. Bois, ça c'est cool. Ah bah non, bah, c'était pas du bois. Et eh ben on est bien. En termes de bois on est bien. Il va donc falloir encore du pognon. Ce qui va encore nous manquer c'est de la thune. C'est de la bonne grosse thune. Donc bon, on va pêcher hein. Oula. Un Sébaste Mordeur, c'est sans yeux ni conscience, seule la faim le guide, faim qu'il assouvit plusieurs fois par jour. Et je me suis fait tabasser mon bateau, évidemment. Au moins,
ça mérite d'être clair. Hein. Ça fait casser le bateau. Hop, du tissu, on prend. On drague tout ce qu'on peut draguer. Allez hop, on monte tout ce qu'on peut monter, let's go. Ah, on est full. On va suivre le poisson chelou. On va peut-être se le prendre. Il reste plus une place à bord. C'est quoi ça? C'est pas ce qu'on cherche. Un tas de débris brûlants. Il faudrait des explosifs puissants pour les dégager. Hein? On va avoir de la dynamite. Oui, mais c'est pas là que je veux aller, moi. C'est là où il y a la madame. Ouais, sans lumière, ça va, ça passe. Heureusement que c'était pas trop loin quand même. Hein. J'ai quelques réparations à faire à 60$ alors que j'ai déjà pas de pognon. Est-ce que madame, tu vas me saucer en fricasse, s'il te plaît? 131, c'est un peu léger, ma bonne dame. Recherche. Recherche dans le filet. On va se faire de la recherche dans le filet. Côte océan, côté au fond. Ah, c'est. Ouais, on peut pas choisir un turbo. Un super turbo filet qui fait tout. Bon, dommage. 36,8. Ouais. Et bon, on va commencer à développer notre méga canne à pêche. Qui fait un peu tout, mais pas aller au fond, c'est ça. Ah si, côte au fond, volcan mangrove. Ok, elle a fait tout. Toi, c'est océan, côte, au fond, océan. Ah ouais, ok, faudra choisir. Abysse, grand fond et océan. Ah ouais. Mais en fait, du coup, lui, je vois pas trop l'océan. En fait, lui, il a pas d'intérêt. Parce que lui, il fait côte, au fond, océan, abysse, grand fond. Qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres? Rien. Et lui, il fait volcan et mangrove. En fait, faut cette canne à pêche là et ce truc là. J'aurais même dû développer celui-là tout de suite, mais bon, pour aller débloquer celui-là plus tard. Du coup, chantier naval. Non, c'est pas là que je vais aller, excuse-moi, c'est dans mon dock flottant. Ici. 100 balles, 3 espaces pour canne à pêche. Ça me fait plaisir, ça régale. Ok, et du coup, ma réserve, pose-moi du PQ. On a de la marche sur papier cul. Chantier naval. Est-ce que tu peux me vendre ça? Je suis trop pauvre, putain. C'est vraiment possible? C'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible? J'ai des problèmes électriques ces temps-ci, mais quand même. Oh, le petit moche. Bon, on l'a déjà vu, hein. Le furteur aveuglé par la lumière de la surface et cependant adapté aux fouilles aux profondeurs, évidemment. T'as qu'un seul poisson là, de la misère. Oh. Vas-y là, putain, la misère. Chut. Hop. Tu m'en donnes combien de mon poisson pas frais? 41$. C'est toujours pas suffisant. Ouais, c'est fini, hein. On va assez dormir, hein. Faut vraiment remonter du pognon. Hein. Là, du pognon, droit devant. Plus rien, j'ai tout pêché. Ah non, il y en a encore là. Ah, c'est revenu un peu. J'ai plus de place pour vous. On est un petit peu trop gros.
Voilà, ça par contre j'ai de la place pour ça. On peut y aller, j'ai un peu de place. Allez, on peut en pêcher quelques-uns. Let's go. Let's go. Bon, bon, voilà. Allez. On va en faire un petit peu par ici. Il y a déjà plus. Et un poisson tout seul qui se baladait. Allez, marche au poisson. On vide les bacs. Quasi à crabe de temps en temps. On me les a portés pour que je les répare. C'est vrai qu'on pourrait tenter de voir ce qu'on ramasse en crabe. Ouais, mais 90$. Hein. 90$. J'ai encore le budget. Non, pas pour le dock flottant, pour le chantier naval. Tac. Et voilà. Recherche. Ouais, on va finir ça quand même. Ah, ça, j'ai même pas le droit de le chercher. Ok. Bon, j'ai même pas le droit de le chercher. Ça, c'est bon. On lève l'ancre. On va s'équiper d'un panier à crabe-bouge. Peu. Ah, il y a peu de poissons. Il y en a peu par là. On est trop profond. Pas beaucoup de crabes dans la région, c'est marrant ça. Beaucoup, beaucoup de crabes. Beaucoup de crabes zouz. Moi je pense qu'au niveau de l'épave, on a toutes nos chances. Hein? Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Je veux, c'est le spot de pêche. Ah bah il y avait un poisson. La nuit va débuter. J'ai même pas fait le tour de cette île de mort là. Ça serait bien que j'en fasse un peu le tour là. On va regarder un peu ce qu'il y a par ici. Il n'y a rien par là. On va aller par ici. Bah tiens, il y a des trucs ici. Un petit murmure. La pierre murmure doucement, semblant faire onduler l'air autour d'elle. Des formes évanescentes dansent à sa surface, disparaissant avant que vos yeux puissent se concentrer sur elle. La pierre froide ne réagit pas. Pas la première que je croise. Mes avis que ce sera pas la dernière non plus. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi que c'est du con. Non, c'est du thon. Putain, c'est du thon. Le fameux saumon putride. Ah oui, c'est pas un thon d'ailleurs, c'est des saumons. Révisez votre connaissance des poissons avec Narfang. Hein. Échec critique, hein, je vous préviens. C'est comme les légumes verts. Hein. Je suis un champion de la viande, mais alors les légumes verts. Hein. J'en connais pas un seul. Hein. Je sais juste qu'ils sont verts. C'est la seule info que je connais. Yo! Enculé! Mais il se balade partout lui, il s'arrête jamais! Il est vraiment chez lui tout le temps. Hein. Non, je suis pas allé là-bas, je crois. On va aller visiter. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh! J'ai pas. Je veux. C'est un congre. Ah oh putain, j'ai pas de place pour. Non, 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 c'est mort. Non, non, faut que tu me trouves une place là. Trouvez-moi une place là. Les gars, faites une place là. Voilà, le congre. Le congre, tu rentres là. Ok, lui c'est bon, je l'ai calé. Toi, je vais te caler par là et j'aurai encore une place ici, mais malheureusement, j'ai merdé mon coup. Donc, le congre. Mais il faut que je le fasse pourrir sur moi. Ok, donc lui on le garde. Alors si t'es un petit poisson, je te prends. Ouais, c'est des petits. C'est un petit poisson, je le prends, j'ai une place pour un deuxième. Ok, je le prends.
Quoi? On peut s'amarrer, on peut s'amarrer. Oh ouais. Il y a un campement par là. Oui. Vous êtes debout au milieu d'un campement. Les braises du feu sont froides, mais le vent soulève encore des cendres. Examinez le feu de camp de plus près. Une grosse pierre plate est posée sur le bois carbonisé du feu de camp. Une poignée d'arêtes de poisson dépasse des cendres. Donnez un coup de pied dans les cendres. Vous donnez un coup de pied dans les cendres. Votre pied heurte quelque chose de dur à la base du tas. Vous dégagez les cendres qui restent et vous lootez de la recherche scientifique. Bien joué, ma gueule. Vous prenez votre découverte. Que voulez-vous faire? Cherchez des empreintes de pas. Regardez la tente improvisée d'abord. La tente est composée d'un simple drap suspendu sur des bâtons. Elle est vide. Le sol à l'intérieur est légèrement creusé à l'endroit où la personne a dormi. Que voulez-vous faire? Cherchez des empreintes de pas. Vous ne trouvez pas d'empreintes. Mais des symboles mystérieux ont été dessinés dans la poussière non loin. Certains d'entre eux ont été effacés du pied à la hâte. Que voulez-vous faire? Bon, en ce cas, c'est d'ici, hein. Moi je dis, il n'y a plus rien à faire. Si, il y a de la recherche à faire. Et ça, c'est quand même quelque chose. On l'oublie, mais la recherche, c'est un peu la vie. Il y a des épaves, donc il y a des matériaux. En veux-tu, en voilà. On n'a pas de place, on peut rien ramener. Il va traverser cette zone extrêmement dangereuse qui appartient au groupe. Qui est tout le temps partout. Il m'a tout détruit. Ok, il y a un truc dans les profondeurs. Mais en fait, le jeu me le fait pop n'importe où. Hein. C'est genre, il a même pas de logique. Il traîne juste dans les... On a dit qu'il était réduit en pièces. Waouh, comme ça. Ah oui, c'est parce que j'ai qu'un seul moteur à bord. Ok. Recherche. Donc ça a été fait. Oui, ça a été fait. Donc on disait, bon, au début je voulais passer par le centre, mais il va me redétruire. Il va re-être là. Est-ce que je peux ne serait-ce que même le voir ou l'entrevoir, ce salon? Ok, on le voit. Ouais, mais il m'a vu avant. Donc il est vraiment au milieu, on va pas passer au milieu. On va aller faire le tour. Voilà, comment c'est fait pulvère. On va faire le tour. Hein. Ah, des trucs ici. La pierre tremble devant vous, des symboles inconnus brillent à l'intérieur. Placez votre main sur les cailloux. Un frisson vous parcourt, remontant dans votre bras et votre cou. Une vision intense s'empare de votre esprit. Des rafales de vent hurlent sur les falaises, plongeant et tourbillonnant. Elles passent au-dessus d'un grand navire en bois amarré dont les drapeaux s'agitent soudainement. Un visage dépourvu de peau apparaît sur le tissu qui flotte. L'équipage laisse échapper un hurlement de terreur. Vous croyez qu'ils sont mourus, les gens? Bon, on dira qu'ils vont bien. Sortek. Hop là. Des trucs. Oh, il y a du matos qui traîne là. Par les mille océans des microbes de l'oubli. Wow, pourquoi subitement il y a des corbacs qui se radinent? Un hôtel apparaît derrière les vagues. À la base de la falaise, trois créatures semblables à des crabes sont gravées à l'intérieur. La plus grande est couverte de pierre et d'autres formes étranges. Ils m'ont tiré plein de trucs. Est-ce qu'il faut compléter l'espace de ce truc, genre Non, je pense qu'il faut que je garde. Il n'y a rien. Un hôtel à la base de la falaise, trois créatures semblables à des crabes sont gravées à l'intérieur. Ah, faut venir avec deux gros crabes, genre, ou deux ou trois gros crabes, là ça rentre dedans. Ah, il faut venir avec des crabes. Ok. Donc on a un hôtel à crabes. Avec des corbacs qui traînent partout.
sont venus taper ma marchandise, ces gros fils de pute. Bon, le seul avantage à ça, c'est que du coup, j'ai de la place pour charger d'autres trucs. Bon, on va pas le gêner. C'est quoi? Bon, on a foutu de toi. Allez, récupérer. Voilà, ce truc-là. Boum! Caillou qui brille. Ouais, parce que ça, c'est mignon, mais... prends de la place, toi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen que je te libère de la place? Non, aucune chance. Hein. Vraiment, il n'existe aucun monde où j'ai la place pour te mettre. Hein. À moins que toi, que j'arrive à te sneaky autrement. Genre... même pas, du coup, j'ai pas les trois là. J'ai pas les trois là. J'ai pas de place. J'ai pas de place, désolé. On va peut-être plus aller en intérieur. Ah non, ça sent le coupe-gorge. Ça sent l'autre qui m'attend encore dedans. On va faire le fou. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai de la place pour un ton royal. Un ton royal ou deux, j'ai un... pour deux même. Allez. Pour deux. Je pense que je vais te jeter. Voilà. J'ai bien fait. C'était un bon deal. Et c'est bon. Je garde le chirpan, le congre. Qu'il faut que je fasse pourrir. Du tissu, alors j'en ai déjà plein, hein, mais visiblement le jeu veut m'en refourguer encore. Il y a quoi? Poisson, et ici, de la planche. Intéressant. On va refaire le grand tour, je pense, à vide. Ou alors avec des paniers de crabes. Un panier de crabes, probablement, je vais les poser au bout. Pour voir ce que je peux loot. Marché au poisson. Répare-moi. Yes, on est bien. Tu en vends du 315, hein, toujours pas, hein, toujours pas l'argent. Pourtant je pensais lui avoir acheté. Peut-être déjà renouveler son truc. Je vais le laisser pourrir. Voilà. Et puis ça aussi, je vais le ranger là. On va le laisser moisir un peu. On va sortir pêcher quelques trucs de nuit. Et remonter ce panier de crabe, mais je pense de nuit. Pour voir ce qu'on fera. Déjà plus. On a déjà bougé. C'est déjà plus les mêmes poissons, ça y est. Hop. Voilà. Alors, un poisson pierre gélatineux, sa chair et ses écailles tentent de se détacher de ce poisson qui peine à garder sa forme originelle. Ok, rigolo. Rigolo. On va être à la place du poisson qui va déguster sa mère. Ouais. Hop. Allez. Et ben, c'est de la bonne pêche, hein. On s'est rentré du bon stuf. D'accord. J'ai tout vesqui. Le gros qui me chasse, les tornades, les rochers qui apparaissent,
tout. Voilà. Ouais, on avait dit un panier de crabes, mais pas tout de suite. Je vais d'abord aller relever l'autre. Il y a un crabe rouge dedans. Cool. Je récupère un crabe rouge. Tu sais quoi? Tout prendre. Je vais le récupérer. Rochers qui apparaissent comme ça, intempestifs. Quand je bouge pas, le rocher il vit sa vie. C'est le rocher qui bouge, hein. Pas le bateau. Hein. Pensez que c'est la mer qui bouge, c'est votre folie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin, c'est ce que m'a dit mon psy. Mon psy il s'appelle Nyarlathotep. Non, c'est pas ce que je veux. Ouais. Je veux. Hop. Tac. Tac. Hop. Tac, tac, tac. C'est bon, on a réussi à les épuiser. C'est pas évident, hein. Des petits. Ah bien. Parfait. Un petit. Et deux ptios. Ça sera très bien. Allez, on se trace. Du coup, commence peut-être à y avoir un intérêt à faire des recherches de vrais casiers de crabes. Au moins pour cette quête là. Voilà, bim. Tu là. Je crois que je vais tout réparer, ça répare ça aussi. Excellent. Non, c'était ici d'ailleurs. Au moins ta recherche. Ah putain, ah oui, elle fait le plein si vite. Moi je fais pas le plein aussi vite quoi. Recherche. Alors. Dans les casiers à crabes. Donc c'est environ 2 par jour, capacité 5 par 4. 2 par jour, capacité 4 par 4. Deux à 3 par jour. 4 par 4. Ouais, donc soit je gagne une rangée avec lui. En vrai, parce que 2 à 3, ok, mais s'ils sont gros, ils rentrent pas, quoi. Allez, j'en prendrai comme ça. Ah oui, c'est là que c'est vendu. Vendre. 35 balles quand même. Hein. 135 bouliches. Pour le gros machin là. C'est un peu cher aussi. Hein. Je suis incroyablement nul. Tac. Bien, parfait. Du dragging. Faisons de la dragation. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Tac, 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 tac. Putain, il fait déjà nuit noire dans le machin. En train de voir la nuit qui tombe. Et devant, qu'est-ce que c'est? Des planches de wabbit. J'ai pas de place pour des planches de wabbit. Par contre, devant, il y a un poisson un peu super spécial.
Ça va être un gros dégueulasse, j'ai pas la place pour. On fait demi-tour. Juste là, on se prend une planche. On prend une planche. D'un côté de la maison, on se prend une planche. Dégoûté, hein, je l'ai entendu. Hein. Vous l'avez entendu, le poisson derrière, un peu chaud. Dégoûté, il m'a pas eu. Tac. Doc flottant. Tac. Oh, le niveau de tryharding. Hein. 75 bouliches. Hein. C'est déverrouillé. Et la nouvelle coque. C'est la nouvelle coque. Incroyable. J'ai pas besoin de ça. Étonnant. Réserve. Hop, ça va à l'arrière. Tac, alors il nous faut du PQ, il nous en faut plein. Ah, il faut une autre pièce. Ok, je comprends mieux pourquoi elle en vend plein maintenant des pièces comme ça. Du métal raff. Du métal raffiné, ça nous fera quoi? Coque de niveau 3, il ajoute 9 espaces et je peux prendre un impact supplémentaire. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ça se moque pas du monde. Du coup, non pas le dock flottant, le chantier naval. Ça me coûterait combien? 450 billets. Oh là 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 là. Ah ouais, en fait on peut balancer chez elle 1200$ tous les jours si on veut, puisqu'elle elle reconstitue une pièce de recherche par jour. On balance ouais à peu près 1000 balles par jour à peu près en moyenne. C'est un truc de dingue. La marge de cette fille. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Et j'ai fait un épisode beaucoup trop long, hein. J'en ai bien conscience. Hein. J'ai fait un épisode à la Wartail. Mais on va s'arrêter là, il est assez long comme ça. On aura fait quand même un bon tour de l'île. Et on aura quand même bien formé, on aura bien progressé sur notre navire. Et on va quand même continuer dans le prochain épisode à essayer de passer la coque suivante. Parce qu'en vrai, ça a l'air de rien, mais on n'a pas de place, quoi. Genre, si je veux une vraie canne à pêche, j'ai pas de place. J'ai pas de place à bord, en fait. Je vous remercie, c'était Ctafork sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine.